en dépit du fait que ma famille, depuis des générations, représente la tradition, je pourrais dire, je suis né, comme tout jeune Burkinabé d'un village, de parents très très pauvres. Il n'y avait rien. Voilà. Et ce village s'appelle Gando. Mon père, aujourd'hui, je vois qu'il a eu la sagesse de m'envoyer à l'école. Au début, il m'a envoyé pour que simplement j'apprenne à lire et à écrire, hein, pour qu'au retour, quand je vais revenir au village, je puisse lire ses lettres, la lettre qui vient de la préfecture et du gouvernement, voilà, et que je puisse reprendre pour lui, à sa place. C'était un peu son idée, voilà. Mais j'ai eu la chance d'obtenir une bourse, voilà, qui m'a conduit jusqu'en Allemagne, où j'ai pu faire des études. Je suis parti, comme beaucoup partent. Ils partent en Côte d'Ivoire, ils partent au Ghana. Ils envoient de l'argent pour soutenir ceux qui sont restés derrière. En majorité, les parents et les femmes, voilà, qui restent ici avec les enfants. Moi, j'ai voulu faire quelque chose d'autre. J'ai voulu apporter de l'éducation à cette famille-là, à cette communauté-là. Parce que c'est grâce à l'éducation que je suis parti très loin. L'idée, c'est de construire un atelier, mais en même temps un logement. Voilà. En utilisant ce qu'on a sur place. Bon, on a essayé de travailler avec de la terre, mais pas le BTC, le bloc de terre comprimé. On a essayé d'utiliser de la terre crue, voilà, pour faire une structure qui se rapproche plutôt de l'habitat traditionnel, la case ronde. Je me suis dit, si jamais on se met à travailler sur la structure traditionnelle, on ne va pas reproduire la case ronde qui a un diamètre au maximum de 5 mètres. Mais on essaie de se rapprocher de ça en partant sur trois éléments, c'est-à-dire trois cases rondes
On a déterminé l'espace, le négatif, et on a dit c'est la cour habitée qu'on va reproduire. On va habiter à l'intérieur d'une structure recouverte, mais à l'intérieur de cette structure même, il y a une cour ouverte au ciel. Et là, on peut se retrouver le soir et causer. C'est aussi un atelier où on va stocker du matériel, mais où aussi on va continuer à travailler, à développer les idées que vous voyez. C'est-à-dire, sur quoi je suis assis ici, c'est du béton de terre. Voilà, personne ne l'a fait jusque-là. Ce n'est pas du paysé. J'ai coulé la terre comme du béton. Voilà. Donc là-bas, on va stocker tous ces outils, ces éléments dont nous nous servons pour travailler. Mais on va y habiter aussi, bien sûr. Le prochain groupe d'étudiants qui va venir ne va plus habiter directement avec les gens. C'est-à-dire que aussi j'ai regardé ce qui s'est passé. Voilà, et il faut créer aussi une intimité. Hein, un lieu où ils pourront mieux habiter, où ils resteront entre eux. Hein, où certains pourront se retirer et ne pas être exposés au bruit, la nuit, le coq qui chante et l'âne qui crie pour réveiller tout le monde. Ben c'est bien, les premiers jours. Voilà, c'est l'Afrique. Mais après une semaine, ah, oulala, oulala. Voilà. Donc toutes ces idées-là ont coulé dans ce projet. L'Allemand dirait « reingeflossen ». How is your baby feeling? Calm? So I mix again, and mix again, and mix again. So and it really, it's not easy work. And people always are looking for the very, to facilitate their life. So this has been an effort to establish this project here. The old man was saying, oh, this kind of work is very hard. It's not good for an old man. An old man cannot be part of it. So where you go, it is hard work. If you filter the sand, it's a hard work. If you filter clay, it's hard work. If you go to dig clay, it's hard work. And to bring it here is hard work because people hold it like here to here. Was the beginning, I was still young and full of energy. I could push a lot of people. So now I also can, but it's too much work. So technology is delicate. At the end, to have this, it is about aesthetic also. If you look at this building from far away and this one, you see the difference. And if you are inside, you see the quality difference. I hope you could be here in April or May. You will understand me very well. Teaching is a big problem here. Because when the women arrive, you cannot keep them long and explaining too much. They say, hey, he's speaking too much. We want to work fast and go and care for our kids. That will say you this. In the rainy season, that will say, why you do this in the rainy season? We are in a hurry to go and feed our kids. So they will always say something like that. Bravo, So, it is hard, but socio-economically seeing, it is something that is it can be good for the village because people learn to deal with machine. So to care for this engine, something is growing.
Encore une fois. Attends. Derrière, derrière. Voilà, maintenant. Ah, bravo. Allez, il a. Voilà, comme ça. J'ai démarré sans beaucoup réfléchir, mais je constate aujourd'hui que s'il faut un développement économique dans les zones rurales, il faut que nous prenions cette initiative nous-mêmes. À cause de la globalisation, aujourd'hui, les gens n'utilisent plus des chevaux comme dans le temps, quand je suis né. Aujourd'hui, chacun veut une mobylette qui vient de la Chine, d'ailleurs. Ce n'est pas moi qui vais les en empêcher. C'est-à-dire, la globalisation traverse déjà le village. Cette tradition, si elle doit survivre, doit faire un pas en avant. Et je vois ce pas en avant à travers l'éducation. Le bon développement voulu passe par l'éducation, passe par l'accès à l'information. Au lieu de fonder un foyer, comme tout un chacun le fera ici, se marier à deux, trois femmes, avoir beaucoup d'enfants qui vont garantir votre retraite un jour, j'ai choisi de faire ces projets-là. C'est à voir. Peut-être dans 30 ans, 40 ans, on pourrait estimer l'influence de ce travail-là par rapport à la façon traditionnelle de faire. De toutes les façons, on n'a plus d'espace pour tout le monde. Il faut trouver d'autres solutions. Et l'éducation contribuera à trouver la meilleure solution. C'est ce que je pense.
nous avons un groupe de jeunes qui ont appris les techniques que nous avons employées pour construire l'école. Et grâce à cette technique, à cette connaissance, ils travaillent dans des chantiers divers à travers le Burkina, même en dehors des frontières du Burkina, pour gagner leur vie. Mais il y a aussi d'autres qui se passent au village, c'est-à-dire les femmes collectent du gravillon. Elles concassent la pierre, la laterite à leurs mains et nous, on achète. Voilà. Ça fait que le projet est devenu en quelque sorte générateur de revenus pour la population, ce qui est bien. Mais pour l'avouer, je n'avais jamais pensé aussi loin. Et jusqu'à présent, je vis, disons, le jour le jour, parce que je cours ici pour gérer, pour garantir la qualité du projet, parce que ça, j'ai un devoir. Devant tout le monde, tous ceux qui aiment, qui estiment mon travail, j'ai un devoir. Mais aussi, je cours en Europe pour chercher des sponsors, voilà, pour que ce projet continue. Comme je l'ai dit, je ne suis pas d'une famille riche. Voilà. J'ai travaillé avec mes mains, je continue de travailler avec mes mains. Je cours, je manque de temps, voilà, pour que ce projet continue. Parce qu'à chaque fois, comme l'atelier constitue un bon exemple, je dois me battre pour couvrir le bâtiment avant que la saison de pluie n'arrive. Parce que si ça s'écroule, ils vont dire, mais il n'a pas réfléchi avant de le faire. Quand ça va échouer, c'est moi, c'est personne. Voilà, c'est une lourde responsabilité en quelque sorte. Mais au fait, je vis parce qu'il y a ce projet. Voilà. Pour moi, cette réussite, c'est une essence de vie. Voilà. Et la communauté, l'espoir de la communauté, l'enthousiasme de la communauté, c'est mon énergie. C'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me fait courir. Ouais. Nous avons une coopérative pour les femmes, pour laquelle on est en train de construire un centre pour les femmes. Et à travers cette structure, on peut facilement mobiliser les femmes. Mais il y a cette structure traditionnelle qui dit que oui, ce sont vos tantes, ce sont vos sœurs, c'est tout, et tout le monde se mobilise et on arrive. Même aujourd'hui, les femmes ont travaillé. Elles ont transporté les briques jusqu'au site de l'atelier. Hein, beaucoup, ça veut dire aujourd'hui, je peux dire 100, 200 femmes. Moi, je compte sur cette population-là pour réaliser tout ce que vous voyez. I'm going to go to the hospital.
Moi, ce que j'ai fait, c'est essayer d'utiliser cette terre-là que nous avons, voilà, pour faire quelque chose de nouveau. Tout en se basant sur ce qui est là, la force de la communauté qui, depuis des temps, était omniprésente dans tout ce qu'on faisait. Et si on arrive à transformer ce village à travers ce que nous avons de plus, c'est-à-dire la terre et tout ce qu'on a, hein, peut-être que c'est le développement le plus sain. Et si dans 30 ans, on fait marche arrière, on regarde, on trouve qu'on a transformé l'habitat, ne serait-ce que l'habitat, en utilisant cette terre, je crois que c'est positif. Voilà. Et ce que je souhaite, c'est que beaucoup plus de jeunes deviennent conscients que c'est à nous de bâtir le village, et pas à l'étranger. Voilà. Donc ce serait bien. C'est une belle vision, ce sera un bon résultat de voir que les gens auront adopté ça. Voilà. Je ne peux pas voir plus que ça. Mais plus loin que ça, voilà. Je suis désolé. Vaga ya con